Salut à tous! Bienvenue Bonjour. au super live de Buffet littéraire en compagnie de Simon-Pierre Marion qui a rapport avec Scénarex. C'est bien ça. Merci beaucoup, Nancy, pour l'invitation. C'est super apprécié de pouvoir justement présenter notre produit à tous tes membres. Oui, j'ai déjà hâte. Parle-nous d'abord. Ben d'abord, on va expliquer. Non, qu'est-ce que je fais à monter ce son-là? C'est pas lui. D'abord, on va expliquer en premier le tirage. Donc, il va y en Oui. avoir un aujourd'hui parmi les gens qui vont écrire « Je participe » et ceux qui sont inscrits déjà préalablement. Puis ensuite, il va y avoir un autre signet qu'on va faire tirer, mais on vous donne une semaine pour que tout le monde puisse écrire « Participe » et ça va être parmi tous les participants de Facebook que je trouverai un autre logiciel parce que je ne le ferai pas avec mon logiciel habituel. Sinon, ça va être long à écrire tous les noms. Donc, Exact. une semaine, autant européen que canadien. Simon-Pierre va tout vous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi ce produit dans lequel que je me suis flobé mon cash, que mon copain voulait m'arracher à la tête, mais à part ça, c'est bien correct. Fait que sur ça, allons-y! Oui, bien parfait. Donc, en fait, j'aimerais ça quand même vous donner une petite genèse d'où part l'idée, là. Parce que nous, chez Scénarex, en fait, on a développé un produit qui s'appelle BookChain, qui est pour vendre des livres en ligne. On a développé une technologie, dans le fond, qui permet de protéger le livre, donc le sécuriser contre le piratage. Puis, de là est partie notre idée, parce que moi, je suis un gros amateur, oui, de livres, mais je suis un maniaque aussi de comics. Je vais vous avouer ça, là, à vous ce soir. Je suis un maniaque de comics, alors je collectionne beaucoup les comics. Puis, je participais beaucoup à des Kickstarter de comics. Et là, il y a eu une compagnie qui a vu que je participais à leur Kickstarter, puis que je faisais partie de Scénarex, puis ils se sont demandé un peu c'était quoi ce qu'on faisait avec BookChain. Et il est en train de développer un produit qu'on appelle des comic tags. Donc, ça ressemble beaucoup au marque-livre là, avec lequel on est arrivé, mais l'idée originelle de là, c'est eux qui avaient eu l'idée de faire des cartes à collectionner comme ça, avec le livre numérique, des comics. Puis, de fil en aiguille, on a lancé le produit l'année dernière avec eux. Puis là, nous, on s'est dit, ah, mais ça serait cool de faire quelque chose de similaire dans le monde du livre. On savait pas trop si ça allait marcher ou pas, parce que c'est comme deux mondes bien différents, le monde du comic puis le monde du livre. Mais on s'est dit, on va essayer. Puis là, on a contacté justement des maisons d'édition, puis en contactant ADA, la maison d'édition ADA, ben eux nous ont dit, ah, nous autres, on pense que notre collection des contes interdits serait vraiment un bon fit. Donc, ça fitterait bien avec le produit que vous voulez sortir. Puis, ils nous ont donné donc l'autorisation d'essayer avec quelques livres. Et comme vous le savez, ben, de là est né notre produit marque livre. On a sorti, pour le Salon du livre, on avait sorti 6 livres des contes interdits que je vous montre ici. Donc, on a Peter Pan, on a fait Le Magicien d'Oz, on a fait Blanche-Neige, on a fait Hansel et Gretel, on a fait Les trois petits cochons et Cendrillon. Puis, ni plus ni moins que là, c'est vraiment marque livre, c'est un jeu de mots. Pourquoi? Parce que c'est un signet à la base. Donc, quand vous l'achetez à l'intérieur, vous avez un signet. Donc là, je vais vous le montrer aussi comme ça. Le joli signet. Donc, de Cendrillon. Fait que c'est un signet de collection. Pourquoi on dit de collection? Parce que ils sont limités. Donc, ils sont à tirage limité. On a deux, pour le moment, deux raretés. On a des épiques. On ne voit pas super bien, je pense, avec ma caméra, là, mais ceux-là, c'est des épiques. Ah, oui, c'est ça. On le voit mieux de ton côté. Donc, ça, c'est des épiques. Puis, on a aussi des rares. Fait que si je vous montre le rare et le épique. Donc, les épiques, on en a fait juste 10 de chaque. Ils sont numérotés de 1 à 10 à l'arrière. Comme ça, là, vous voyez, moi, j'ai le 6 de 10. Et, bien évidemment, les rares sont un peu moins rares. On en a fait 100 de chaque. Et à l'arrière aussi, ils sont numérotés. Comme cela, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mais cela, c'est le 30 de 100. Donc, on a décidé de faire ce produit-là pour être un objet de collection. Mais en plus de ça, en plus d'être un objet de collection,
vous avez probablement remarqué qu'à l'arrière, il y a un code QR. Donc, ça, ce code QR-là vous permet d'accéder au site. Évidemment, vous devez ouvrir un compte, vous n'avez pas de compte. Puis, il y a un numéro unique au verso. Là, je ne le montre pas parce que le numéro unique doit rester secret à vous. Et donc, ça permet de réclamer le livre numérique qui est associé au signet. Donc, moi, si j'ai le signet épique de Cendrillon, de 6 de 10, et que je m'en vais sur le site qu'on a créé, bien, vous allez pouvoir réclamer le même livre. Là, j'en ai plusieurs, là, mais si je navigue vers le bas, vous allez voir que j'ai bel et bien le livre Cendrillon. Puis vous allez voir aussi que c'est le même numéro que sur la carte. Donc, sur ma carte ou sur mon marque-livre, c'est le numéro 6 de 10. Bien, ici, si je regarde, puis là, encore là, on ne voit peut-être pas super bien, mais si on peut voir que j'ai vraiment le numéro 6 de 10. Donc, c'est lié avec le signet. Fait que le livre numérique, dans le fond, c'est le signet. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir le signet. C'est ça qui est votre livre numérique. Puis donc, bien, ça veut dire aussi que vous pouvez le revendre. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le livre numérique qu'on amène avec cette technologie-là. C'est que, habituellement, quand vous achetez un livre numérique, s'il est protégé, vous ne pouvez pas le revendre. Mais avec nos signets, ce que tu peux faire, c'est que tu peux revendre ton signet à quelqu'un. Et là, à ce moment-là, la personne va réutiliser ton code et ça va transférer le livre numérique de votre compte à son compte. Donc, c'est vraiment le signet qui représente le livre numérique. Donc, ça suit le petit signet ici, donc le marque-livre. C'est pour ça qu'on a pris le nom marque-livre pour dire que, dans le fond, c'est ça qui marque le livre au lieu du marque-page traditionnel. Mais vous pouvez vous en servir comme signet aussi pour un livre. D'ailleurs, ils sont super jolis, un coup qu'ils sont dans le livre, comme ça. Et puis, oui, bien, effectivement, on voulait, bien, étant donné que c'est vraiment nouveau, on avait fait juste 6 livres, mais on a tellement eu une belle popularité au Salon du livre de Montréal que là, on a décidé d'en faire d'autres aussi. Donc, au fil des mois, on va publier, ou je ne sais pas si on peut dire ça, parce que ça reste des signets, là. Donc, on ne publie pas nécessairement, mais on va créer les signets pour tous les livres des comptes interdits. Et donc, ça va sortir au fil des mois. Puis, il y a 10 salons du livre au Québec, là, puis on va être aux 10 salons du livre cette année, en 2023. Donc, c'est sûr que peu importe la région où vous êtes, vous devriez nous voir. Fait que ça va vous donner la chance de venir me rencontrer, parce que c'est sûr que je vais être là. Il va y avoir d'autres membres de l'équipe aussi. Puis, bien évidemment, bien, c'est le fun parce que les auteurs signent aussi les signets. Donc, si vous achetez des signets, puis vous êtes au Salon du livre, puis les auteurs sont là, profitez-en pour les faire signer. Qui sait, là, ça pourrait prendre de la valeur aussi. Ben, évidemment, ben, si vous ne pouvez pas vous déplacer au Salon du livre, vous pouvez aller sur notre site, donc marquelivre.com, puis on pourra le mettre là, dans le chat, là, mais je pense que Nancy a déjà fait un super beau travail pour publiciser notre site, mais donc marquelivre.com, et dans le fond, vous pouvez les acheter directement là. On a construit notre site sur Shopify, là. C'est vraiment très standard. Ceux qui magasinent un petit peu sur Internet, vous allez reconnaître là, le format ou la façon de fonctionner de Shopify. Et puis, vous sélectionnez votre moyen de shipping, de livraison. Puis, c'est assez rapide. Il y a quelqu'un qui en a acheté en France là, juste à la semaine dernière. Puis, le shipping, c'était comme 10 jours. Donc, ça, c'est quand même assez rapide. Et puis, bien évidemment, ben, nos marque-livres, le concours qu'on fait ce soir et puis pour cette semaine, ça va être pour un rare. Donc, un de ceux-ci. Encore une fois, on a les 6 à votre disposition. Ça va être à votre choix. Donc, vous choisirez lequel vous voulez avoir. Juste une petite note, par contre, c'est que international, vous pouvez participer puis gagner aussi. Mais on va vous demander de payer le shipping à ce moment-là. Fait que ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est que le gagnant, on va vous donner un code. On va vous demander lequel vous voulez. Puis de là, je vais vous donner un code qui va vous donner le marque-livre, ouais, et le shipping si c'est au Québec gratuit. Évidemment, si c'est à l'international, ben là, à ce moment-là, le marque-livre va être gratuit, mais vous paierez le shipping. Alors, c'est comme ça que c'est né notre idée. Puis là, on est super content. En passant, on n'a pas juste ADA. On fait des livres aussi avec les malins.
Ça touche moins la communauté, mais on a fait deux livres de Léa Olivier, deux livres Premier Trio, qui sont des livres plus pour enfants, puis on a aussi deux livres de Anna Carita. Donc, puis eux autres aussi, ils étaient très satisfaits du résultat. Donc, on va continuer avec la maison d'édition Les Malins, puis qui sait, peut-être qu'on va en avoir aussi d'autres maisons d'édition qui vont se joindre à ce merveilleux produit qu'on a inventé. Super. La différence entre le épique et le rare, c'est la texture du signet aussi. Entre autres, mais j'ai oublié un détail aussi, c'est qu'il y a du contenu différent. Donc, à la base, quand vous achetez un signet, que ce soit rare ou épique, vous avez le livre numérique dans son intégralité, mais le livre numérique du signet épique contient des ajouts additionnels. Donc, par exemple, il y a la signature de l'auteur, ou des auteurs, en fait. Regardez, je vais vous en ouvrir un pour vous le montrer. Là, je vais ouvrir celui de Sylvain, là, justement. Oups, attends, faut que je me cadre bien. Et voilà, OK. Ah, OK, comme ça, c'est mieux. Fait que donc, quand vous allez naviguer, vous allez voir qu'on a ajouté des gouttes de sang par-ci par-là dans le livre. Ça, c'était la page des signatures des auteurs qu'on a ajouté aussi. Donc, les petites gouttes de sang comme ça, vous allez retrouver là, au fil dans le livre. Donc, on a fait des petits ajouts comme ça, le fun. C'est sûr que l'histoire change pas, c'est la même histoire, mais quand même, c'est agréable d'avoir un petit changement. Puis, vous avez peut-être remarqué aussi que la page couverture est aussi différente. Donc, si mettons, oups, excusez, hey, je vais changer. Vous avez vu ma face, ma belle grosse face avec ma blonde. Fait que c'est ça, fait que les pages couverture vont différencier aussi un petit peu entre les rares et les épiques. Donc, sur les épiques, vous avez la signature aussi sur la page couverture. Et vous avez aussi la signature qui se retrouve sur le petit dépliant qui vient avec le signet. Donc, vous avez la signature qui vient pour les épiques. Mais, puis oui, effectivement, il y a la texture, comme tu dis. Ceux-là sont en plastique, très rigide. Ça ressemble, ben, dans le fond, c'est vraiment un format signet standard. Et bien sûr, en métal, évidemment, ils ne sont pas flexibles. Mais évidemment, il y en a juste 10. Ah, puis juste pour vous mentionner, là, pour que vous soyez déçus, là, dans les épics, si jamais vous voulez en acheter, je vous reviens tout de suite que Hansel et Gretel, de même que Cendrillon, ils sont sold out. On n'en a plus, ils sont tous Oh, vendus, ils sont shoot. tous écoulés. Donc, Cendrillon, Hansel et Gretel, pour les épics, sont tous écoulés. Il en reste quand même quelques-uns pour les rares. Donc, vous avez vraiment le choix entre les six pour le tirage. Sans compter qu'ils peuvent aussi prendre un des Marlins s'ils veulent. Des Malins s'ils Oui, veulent. les livres Les Malins aussi. Vous pouvez, si jamais les malins vous intéressent, ça peut être un des malins aussi. Parce que, comme C'est, on dit, oui. buffet littéraire, C'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde, justement. Joseph, il a très bien compris le principe de mon buffet. Oui, exactement. Exactement. Donc, avec les malins, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas les maisons d'édition, les malins sont vraiment spécialisés dans le livre plus jeunesse. C'est vraiment leur créneau. Donc, c'est sûr que c'est des livres plus pour les jeunes, les jeunes ados. Mais si vous avez des jeunes ados, c'est des super bons livres. Et puis, à ADA, évidemment, mais surtout avec les comptes interdits. Il faut le mentionner aussi, par contre, parce que si vous en choisissez un, ça prend 18 ans et plus pour les livres ADR, des comptes interdits. En effet. Mais ce qui est génial, c'est que, comme Anna Carista, oui, c'est jeunesse, comme tu dis, mais la majorité du monde tripe sur ce livre-là parce que quand j'ai vu le line-up juste pour essayer d'aller le voir, j'ai viré de bord parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de jeunes qui tripaient sur lui. Oui, Ça veut dire, c'est. ouh, OK, j'ai pas la patience puis le temps d'attendre tout ce temps-là. Oui, effectivement, Anna Caritas, il est vraiment très populaire. Puis effectivement, même si c'est plus pour. À la base, c'est effectivement des livres plus pour ados, mais c'est quand même assez horreur pour plaire quand même à un adulte. Parce que moi, je les ai adorés, les Anna Caritas.
C'est sûr, les Léa Olivier, là, c'est pas pour moi, pas toutes. Mais les Anna Caritas, je les ai adorées. Mais mes filles, moi j'ai deux filles, puis ils ont adoré les Léa Olivier, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est winner pour les adolescents. Je vais l'assassiner. Désolée, il fallait que je me revenge, Lios. Sur ce, comment qu'on fait pour le... Si, admettons qu'on décide de le vendre, comment qu'on fait? C'est quoi la procédure? Parce qu'on s'entend Oui. que ça reste, qu'il faut pas... Non, Lios, je ne me ferai pas bannir parce que c'est des mots. C'est pas écrit. Donc, ça va être, ben, en fait, pour l'instant, on n'a pas activé la revente, OK? Parce qu'on attendait de voir la popularité. Donc, pour le moment, quand vous réclamez vos livres, tout simplement, quand vous achetez un marque-livre, vous allez, encore une fois, sur le code QR en arrière, vous le scannez, vous ouvrez votre compte, vous rentrez le numéro qui est en dessous, puis ça permet d'avoir le livre dans votre librairie. Il y a un petit bouton à côté du titre. Il n'est peut-être pas facile à voir encore une fois, mais il y a un petit bouton i. En fait, c'est comme un i pour information. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça vous permet d'aller voir le détail du livre, donc évidemment, qui l'a écrit, tout le résumé du livre. Et puis, c'est ici qu'on va mettre le bouton pour débloquer le livre. Donc, vous allez avoir un bouton qui va dire « Je veux vendre mon marque-livre ». Vous allez cliquer là-dessus, puis à ce moment-là, votre code ne sera plus verrouillé. Parce que là, pour l'instant, quand vous réclamez votre livre, si jamais quelqu'un vous vole votre marque-livre ou vous, par erreur, vous mettez votre code à l'écran, là, je le bloque, je le cache avec mon pouce, comme tu as fait, Nancy, mais tu as eu une bonne réaction pour l'enlever. Donc, si quelqu'un vous vole votre code et que vous avez réclamé le livre qui est sur le signet, qui est associé au signet, bien, à ce moment-là, il ne pourra pas vous le voler. Il vous pourra pas le prendre de votre bibliothèque ou de votre librairie. Ça va dire, il y a un message, s'il essaie, il y a un message qui va dire, ce livre est déjà utilisé par quelqu'un, vous ne pouvez pas le prendre. Donc, le bouton qu'on va ajouter sur cet écran, on va le faire dans les prochaines semaines, probablement au début février, mais tous ceux qui en ont acheté, je vais vous envoyer un courriel, là, faites-vous-en pas. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton, puis là, à partir de ce moment-là, quand vous allez avoir cliqué sur le bouton, votre code n'est plus verrouillé. Donc, la personne à qui vous vendez votre marque-livre va pouvoir, encore une fois, utiliser le code à barre, le code QR, en fait, devrais-je dire, et réutiliser le code en dessous. Et là, c'est là que ça va transférer le livre de votre compte à son compte. Donc, vous allez perdre accès parce que vous n'êtes plus propriétaire du marque-livre. OK, donc on ne garde pas le livre dans la bibliothèque pour ensuite le revendre. Donc, ça revient que tu vends. C'est comme si tu vends ton livre physiquement. Exactement. C'est vraiment comme on simule, dans le fond, le monde du livre papier avec le numérique grâce au marque-livre. Oh, génial. Pas besoin de pas de risque de piratage, etc. Exactement. Pas de risque de piratage. Je dois quand même spécifier une chose, parce que des fois, les gens me le demandaient aussi. C'est que les livres sont accessibles uniquement en ligne. Donc, sont accessibles de n'importe quelle plateforme. Ça peut être un cellulaire. Ça peut être une tablette, comme je vous ai montré, ça peut être votre ordinateur. Ça va fonctionner partout, mais vous devez avoir accès à Internet. C'est sûr que si vous perdez votre accès à Internet, vous avez encore accès au livre, mais juste 10 % du livre. Parce qu'il y a juste 10 % du livre qui est accessible Non, les quand droits vous. d'auteur. Ouais. Puis après ça, si vous n'avez plus accès à Internet, notre système, il ne peut plus savoir si vous êtes toujours propriétaire. Donc, vous ne pouvez pas voir les pages après. Mais il y a quand même un petit 10 % qui reste là, navigable si vous perdez Internet. Donc, quand Mais même, justement, on ne peut pas le télécharger pour le mettre sur notre téléphone, c'est que à partir de le site web. exactement. Juste à partir de ce site web, vous pouvez utiliser votre téléphone pour le lire. Puis d'ailleurs, ça se lit super bien, là. Vous pourrez l'essayer ceux qui en ont, mais moi j'en ai, puis je lis beaucoup sur mon téléphone parce que vous pouvez grossir la grosseur des lettres. Donc, c'est facile à lire, là.
Ça reste pas en tout petit, tout petit, tout petit. C'est vous qui pouvez ajuster, là, justement, en zoomant la grosseur des. Question de Joseph. Est-ce qu'il y a Ah d'autres oui. projets à venir? Exemple d'autres romans d'ADA qui ne sont pas des contes interdits? Ben, pour l'instant, c'est sûr qu'on va se concentrer sur les romans des contes interdits parce qu'il y en a tellement que ça va nous prendre une bonne partie de l'année, sinon toute l'année, à les produire. Mais oui, c'est sûr que nous, on veut croître, puis on veut amener d'autres collections aussi. Donc, c'est certain qu'on veut en ajouter. À savoir quand ça va se faire, là, la question est. Elle est plus pertinente parce que là, je peux pas répondre. Mais oui, on veut ajouter d'autres collections de ADA. Puis toute l'équipe de ADA, là, ils sont derrière nous à 100%. Ils ont vraiment adoré notre produit. Donc, je pense que c'est juste une question de temps là, avant qu'on en ajoute. Est-ce que les livres qui sont sold out vont pouvoir revenir en vente ou quelque chose? On s'entend qu'Hansel et Gretel, c'est un des plus, dans toute la gamme, c'est un des plus populaires vu beaucoup de situations. J'ai pas le goût d'en revenir là-dessus. On s'entend 2023, nouvelle année, on tourne le chapitre puis on fait enterrer ça. Mais est-ce qu'il va excuse-moi. Est-ce qu'il va avoir d'autres shots de Hansel, de Cendrillon? Si, admettons, n'importe quel livre tombe banqueroute, entre parenthèses, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Ben, c'est certain que nous, on veut vraiment respecter l'aspect de collection. Okay? Fait que OK. là, on a dit que les épiques comme ceux-là, il y en a 10 de chaque seulement. Il n'y en aura jamais plus que 10. Okay? OK. Donc, par contre, il n'est pas exclu qu'on fasse une édition spéciale. Donc, si je prends justement Hansel et Gretel, donc celui-là, comme ça, tel qu'il est, vous ne le retrouverez plus jamais. Par contre, on va peut-être faire une édition spéciale en utilisant un design différent, parce qu'il faut qu'il soit différent, évidemment. Puis là, à ce moment-là, on pourrait en sortir une autre collection, un autre épique, mais d'une version différente. Donc, quand même, on assure que les gens qui ont acheté celui-là, ils ne le retrouveront plus jamais. On ne leur sortira pas pour diluer leur item de collection. Donc, on ne veut pas faire ça. Mais effectivement, on pourrait s'amuser à faire un autre design de page couverture pour Hansel et Gretel, puis sortir un autre signet d'Hansel et Gretel, justement, en métal comme ça, pour ceux qui veulent en avoir. Donc, c'est aussi envisageable. J'ai vu sur le site qu'il y a une possibilité d'avoir un légendaire. Pour l'instant, il est juste Ah! écrit légendaire, là, puis que le prix il est faramineux, fait qu'on s'entend que ça veut dire que il est pas accessible. Mais ça va être quoi, ça? Ben, en fait, c'est toujours encore un marque-livre, mais c'est des marque-livres, puis il va en avoir. Les légendaires, il y en a juste un de un. Okay? C'est un marque-livre un de un, puis il est plaqué or. Okay? C'est pour ça qu'il va être très cher. Ah oui, Par j'ai vu, contre, on hein, l'a. 300 piastres, je crois. Il est très, très dispendieux. Donc, par contre, on ne l'a pas mis en vente parce qu'on est en train de. On veut proposer un projet, puis là, je vais m'embarquer. Je peux pas trop en dire, OK? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de travailler sur un projet spécial. Puis il y aurait potentiellement des marque-livres qui seraient distribués dans certains magasins. Et à ce moment-là, les marque-livres légendaires seraient. Vous auriez la possibilité de le gagner en achetant un marque-livre. Donc, autrement dit, il va avoir un marque-livre. Pour chaque livre qui va avoir un code secret dedans. Et ça va vous donner, dans le fond, vous allez gagner le marque-livre légendaire. Mais encore là, c'est très embryonnaire ce que je vous dis. Si jamais le projet ne va pas de l'avant, on va les rendre accessibles à ce moment-là. Lios demande si tu lis le chat depuis tantôt. Ah non, je suis vraiment désolé. Je Non, suis tu pas fais bon à tout bien. ça. Il est parti pour te déconcentrer. Ça n'a pas de sens. Je peux même t'en mettre un parce que justement, il fait exprès. Ah, OK, c'est-tu moi qui manque d'éclairage, là, Nina? Ouais, là, c'est toi qui manques d'éclairage. Ah, OK, c'est bon. Je m'étais mis une lampe, là, mais je pense que c'est pas assez. Il va falloir que je réorganise mon setup. Désolé.
Simon Piaz, merci Nancy, c'était une autre. Non, attends, l'IA, c'est pas lui le créateur des éditions ADA, par exemple. Non, Il y a non, rapport non, non, avec les marques livres. non. Oui, exactement. Donc, Cenarex, nous autres, pour ceux qui se joignent à nous, Cenarex, on est une compagnie de Montréal, donc une compagnie québécoise, Local. locale, et nous, on est vraiment dans la technologie. Donc, on a développé la technologie qui permet de sécuriser un livre numérique et l'associer à un objet physique. Et c'est notre technologie qu'on utilise justement pour les signets comme ceux-là qu'on vous montre aujourd'hui. Dans le fond, que vous pouvez après ça utiliser grâce à un n'importe quel appareil mobile ou un ordinateur pour accéder à vos livres numériques. Et évidemment, ben, la revente aussi fait partie de notre technologie. D'ailleurs, on a un brevet pour ça. On est super fiers. On a notre brevet. Ça nous a pris du temps en passant à avoir notre brevet. J'ai commencé Cenarex en 2015. J'ai déposé là, mon brevet en 2018. Imagine-toi qu'on a eu le brevet en 2021. Fait que ça a pris presque 4 ans à avoir notre brevet. C'est très long, le processus de brevet, là. C'est hallucinant. Hallucinant. Fait Oui. que Je sais pas si ça répondait à la question à Joseph, mais ça a pris combien de temps de développer cette technologie-là? Comment vous avez eu l'idée, un, de partir avec, mais aussi comment vous l'avez créée pour que ça puisse fonctionner? Et quel type de matériel? Tu sais, métal, oui, c'est facile à dire, mais d'où est-ce que vous prenez votre métal? Est-ce que c'est de recyclage? Est-ce que vous savez comment qui est fait votre matériel? Non, ben, je vais commencer avec le début de la question. En fait, ça a pris. J'ai commencé Cenarex et c'est en 2015. Joseph, pour répondre à ta question. Puis à 2015, à ce moment-là, j'étais en train de faire mon MBA. C'est un MBA spécialisé en gestion des technologies. Parce que moi, j'étais un geek dans l'âme, là. Tu sais, j'étais un nerd aussi. Fait que tout ce qui est technologique, j'aime beaucoup ça, mais j'aime aussi beaucoup la gestion, donc tu sais, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'avais fait mon MBA. Puis pendant mon MBA, ben évidemment, ben en 2015, j'ai étudié toutes différentes technologies. Puis étant donné que justement, je suis un geek, j'aime beaucoup lire les livres en format numérique. Puis je trouvais que dans le monde numérique, au niveau du livre, ça progressait pas aussi vite que d'autres domaines comme la musique ou l'industrie du film, où là, eux sont vraiment super avancés en termes de technologie. Et puis, ben, de là est partie l'idée de dire, ben moi, j'aime les livres, je veux aider les auteurs, je veux aider les maisons d'édition, fait que je vais vraiment me concentrer dans le monde de l'édition numérique pour justement aider l'industrie à progresser. Et c'est de là qu'est partie l'idée en 2015, imaginez-vous, ça fait longtemps. Puis là, ben, de fil en aiguille, OK, on a cherché, OK, qu'est-ce que. Ben, j'ai engagé évidemment des gens, on a eu des subventions pour la recherche et le développement. Et puis, ben, de là, on a fait beaucoup d'essais, des prototypes. Ça a pris beaucoup de temps. Puis là, ben, en 2018, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu un prototype qui était fonctionnel. Donc, calculé 2015, 16, 17, 18, c'est 3 ans, là, c'était milieu 2015. 3 ans à développer le prototype. Puis de là, à partir du prototype, on a eu d'autres subventions de recherche et développement pour sortir une version qui était productive, qu'on dit. Donc, en 2019, on a sorti notre version productive. Puis en parallèle, ben, on avait déposé notre brevet aussi pour la technologie. Ben là, de fil en aiguille, ça a juste progressé. On a solidifié notre solution parce qu'au début, c'était pas facile. Donc, mais là, on est rendu avec une solution qui est vraiment super stable et super fonctionnelle. Puis je pense que tous ceux à date que j'ai demandé qui l'ont utilisé d'ailleurs, là, ils ont trouvé ça super simple, super facile, super efficace. Donc, on est vraiment très fiers de notre technologie. Comment que les auteurs puissent avoir cette chance de faire partie de votre Scénarec, justement, du collectif? Exemple, un auteur indépendant, est-ce qu'il pourrait le faire ou c'est seulement avec les maisons d'édition? Non, en fait, je m'excuse aussi, je n'ai pas répondu à l'autre question par rapport aux matériaux.
Pour vous dire, honnêtement, les matériaux, on a fait affaire avec des maisons, des imprimeurs, finalement. Donc, je peux pas vous dire les matériaux, là, le plastique puis le métal, si c'est du métal recyclé ou pas. Ça, je n'ai pas l'information. Je pense pas que ce soit du métal recyclé puis du plastique recyclé. On n'a pas vraiment cherché à s'en assurer au début parce que c'était plus un essai qu'on faisait pour les marques livres. Mais là, étant donné que on veut aller à la production plus de masse, on va être plus consciencieux sur tout. Donc, évidemment, au niveau de l'écologie aussi. Donc, on va s'assurer là justement qu'on ait des matériaux qui ne nuisent pas à notre environnement. Mais donc, oui, tout à fait. Mais là, puis pour continuer. C'était quoi ton autre question finalement? Ou l'autre question C'est comment d'aperçu? qu'on peut faire pour Ah oui, avoir c'est vrai. signé ou adhéré à ce processus, étant donné qu'il y en a qui c'est des maisons d'édition, puis il y en a qui c'est auto-édité? Ouais. Donc, en partant, si vous voulez utiliser nos technologies pour publier votre livre en numérique, juste en numérique, sans le marque-livre, ça c'est très simple. Vous pouvez aller sur notre site Bookchain. On a un portail pour les auteurs en auto-édition. Vraiment très simple, vous remplissez les informations, vous créez votre compte, vous téléversez votre livre, puis là, vous pourrez après ça le vendre là, en format numérique. Il ne sera pas associé à un signet, par contre. Si vous voulez en plus avoir un signet pour votre livre, puis le vendre, bien, vendre vos signets, là, à ce moment-là, il faut vraiment nous contacter directement. Vous pouvez le faire. Par Facebook, si vous voulez nous contacter, mais vous pouvez aller sur scenarex.ca. Scenarex, c'est Scenarex. Et puis, vous faites dans la section contact, vous avez juste à nous contacter. Puis, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous pour avoir pour justement produire des signets pour vous. Puis discuter de justement des options qui s'offrent à vous. Parce qu'évidemment, au niveau des raretés, puis au niveau des matériaux, c'est vraiment ouvert là. Parce que ça pourrait être n'importe quoi. Vous pourriez faire des figurines avec à l'endos en dessous du pied de la figurine un code. Ça pourrait être une feuille de carton. Ça pourrait être. Ça n'a pas besoin d'être extravagant non plus. C'est sûr que plus c'est beau, plus c'est attirant aussi. Mais évidemment, plus c'est beau, plus ça coûte cher à produire. Fait que, il y a ça aussi à prendre en considération. Est-ce que les auteurs reçoivent une redevance suite à ces ventes-là, ou bien ils sont littéralement comme perdus, puis qu'ils parce que même les auteurs au salon du livre, lorsque je leur posais la question, ils ne savaient point quoi me répondre. Donc j'étais, mais là, il faut qu'on sache, là, c'est comme, il faut que ça soit C'est gagnant pour tellement une vous bonne aussi. question. Ben oui, c'est tellement une bonne question. En fait, nos marques livres, ils respectent exactement à la lettre l'industrie du livre, de la chaîne du livre au Québec. Donc, oui, les auteurs reçoivent la même cote qu'ils vont recevoir que s'ils vendent le livre. Donc, tu achètes un livre papier ou que tu achètes le marque livre, les auteurs, eux, vont recevoir le même pourcentage. Ce qui est intéressant, par contre, puis là, j'ai quelque chose que j'ai complètement oublié de dire, mais Mou t'a dit que c'est important de le dire, c'est que quand tu vas revendre ton marque-livre, l'auteur va aussi avoir une redevance qui va être lui redonnée. Contrairement au livre papier, parce qu'on s'entend que si tu vends ton livre papier à ton ami, c'est bien rare que tu vas prendre un 2$ ou un 5$ que tu vas le mettre dans une enveloppe pour l'envoyer à l'auteur. L'auteur, lui, dans la revente du livre papier, ne reçoit rien. Mais grâce à notre technologie, ben, l'auteur va être capable il va recevoir en fait une redevance suite à la revente de ton signet. Puis comment ça va fonctionner? Parce que c'est difficile de le savoir. Parce que toi, tu peux revendre ton signet à ton ami 20$ en dessous de la table, il n'y a personne qui va le savoir. Fait que là, nous autres, c'est difficile de déterminer combien tu vas avoir vendu ton livre. Donc, à ce moment-là, la personne qui va l'acheter, si ce n'est pas le premier achat,
OK, on s'entend parce que si c'est le premier achat, on s'occupe de redonner la redevance à l'auteur. Mais quand tu le revends, la personne qui va utiliser le code en arrière pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, mais là, à ce moment-là, on va charger un frais de 3 $ à la personne qui va être distribué à la maison d'édition et à l'auteur. OK, donc Fait pour que avoir c'est le code réactivé, il y a un frais ça. dessus. Parfait. Il y a un frais de 3 $. Fait que si, mettons, vous achetez votre marque livre 20 $ à votre ami, mais oui, sachez qu'il va y avoir un frais qui vous a été chargé par la suite aussi pour l'activer. Puis ça, pourquoi qu'on fait ça encore une fois? C'est pour assurer une redevance à l'auteur et à la maison d'édition. Super. Lia, c'est une question. Est-ce que c'est possible de mettre de l'animation style petit clip cinématographique dans les livres Oui, numériques? absolument. Puis d'ailleurs, les livres de la collection Les Malins, si vous achetez les épiques, il y a des vidéos dans les livres. Donc, pour Léa Olivier, Catherine Gérard Audet, qui est l'auteur, elle s'est enregistrée, puis on a intégré la vidéo dans son livre à elle, dans ses livres, parce qu'il y en a deux en marque-livre. Donc, si vous achetez le marque-livre épique des Malins, vous allez avoir aussi une vidéo de l'auteur qui est inclue dans le livre numérique. Et ça, c'est pas à part, là. C'est vraiment, vous ouvrez votre livre numérique, vous tournez une page, puis vous allez voir la vidéo. Puis je pourrais vous le montrer d'ailleurs aussi, là. Je Moi, vais je faire pense ça en même que temps tu que as je parle. vu un commentaire parce que l'IA s'y a écrit, est-il possible de voir justement un exemple de vidéo? Oui, je vais vous faire ça tout de suite pendant que. M'étais pas préparé, mais je vais faire ça tout de suite. Donc, et voilà. Fait que là, j'ai viens d'ouvrir un des livres de Léa Olivier qui était dans ma collection. C'est un épique aussi, comme justement. Fait que là, je peux naviguer dedans. Et puis là, j'arrive justement à Ah la oui. page où il y a la vidéo. Puis là, j'ai juste à cliquer sur la vidéo. Je peux le mettre en format plein écran. Là, il est en tout petit. Je vais monter le son. Ah, je sais pas si vous allez l'entendre. Oui, on entend. Spécial et avoir un petit bonus avec ton Puis je vais le mettre en alors plein c'est moi, écran. Catherine, l'autrice de La vie compliquée de la vie. Je ne sais pas si tu as déjà lu la série ou si tu avais justement acheté la carte en espérant comme découvrir un peu de quoi ça parle. Mais pour te donner une idée, Léa Vie, c'est basé sur ma vie. Alors, je Mais suis là, moi-même oh. déménagée à J'arrête la vidéo parce que c'était exclusif aux gens qui achètent le Ben Epic. oui. Est-ce que l'animation peut être activée avec le tournepage? Oui. Dans le fond, on utilise le format EPUB. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'édition numérique, le format EPUB, c'est un format qui ressemble un petit peu à un mini site web. Donc, c'est littéralement, là, on bâtit ça un peu comme un site web. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans un site web, vous pouvez le faire dans un EPUB. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes sortes de choses. Puis c'est juste l'imagination et le temps, des fois, qui est contraignant. Mais oui, vous pouvez faire plein, 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 plein de choses. Par contre, je veux juste mettre un petit bémol ici, là. Nous, on ne fait pas la conception de livres numériques. On fait la conception des marques livres et on a la technologie qui le sous-tend. Mais c'est vous qui êtes responsable, ou vous pouvez engager quelqu'un, un spécialiste là-dedans aussi, là. Mais c'est vous qui êtes responsable de construire votre livre numérique. Mais des livres OK. numériques, là, avec des animations, toutes sortes de choses dedans, là, j'en ai vu, là, des super beaux. On fait souvent aussi les salons du livre, là, outre-mer. On est allé à Londres, on est allé à Frankfurt, le Frankfurt Book Fair, c'est vraiment immense. Et on en a vu vraiment des très, très beaux livres numériques là-bas aussi. Super. Faire un signet, ça, combien, genre, est-ce que, vu que tu, admettons, je t'arriverais, je te dirais, je veux un signet spécial anniversaire, est-ce que ça se ferait? Oui, tout Genre, à fait. je veux faire un cadeau à quelqu'un, c'est un signet que vous n'avez pas dans votre collection, je voudrais prendre un livre, puis que je vous le demande, mais je ne suis pas un auteur.
Est-ce que quelqu'un qui est auteur peut se faire faire un, je sais pas moi, un petit cadeau spécial, genre une petite carte avec plein d'auteurs dedans, puis elle te le met sur le numérique pour avoir un signet spécial? En fait, il faut avoir premièrement l'autorisation de la maison d'édition et des auteurs, mais en supposant qu'on l'a, l'autorisation, ben oui, c'est possible de faire quelque chose de personnalisé. Évidemment, il faut que vous compreniez que si c'est quelque chose de personnalisé, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on produit à petite quantité et qui dit petite quantité dit coût très cher Extrêmement parce cher. qu'il n'y a pas de secret, hein? Plus que tu en fais, moins ça coûte cher, c'est le même partout. Ça coûterait combien pour un signet de livre et quel tirage minimum pour chacun? Donc, l'IA, c'est un auteur indépendant. C'est lui qui a écrit La première dragonnière, puis que donc je suis rendue à le tome 4 que je suis en train de finaliser de lire, puis je commence le 5 bientôt. Donc, c'est pour cette raison que lui a beaucoup de questions parce que il veut se faire connaître partout. Son but, c'est de faire connaître le côté fantastique, fantasy, puis c'est vraiment des livres. Écoute, il pourrait faire plein d'affaires avec ces livres-là. Puis il voudrait savoir combien, c'est quoi le minimum d'un tirage de pour que genre ça coûte pas trop cher non plus. Puis le coût pour un signet de livre. Bien, en fait, comme je le disais, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est sûr que nous, pour ce qu'on fait, pour ce que l'on fait, on a différentes raretés. On a les communes qu'on veut produire à la quantité de 1000 par livre. On a les rares qu'on fait à 100 par livre. On a les épiques qu'on fait à 10 par livre. Et on a la légendaire qu'on fait juste une copie. Mais J'espère en quelqu'un qui or, mais veut. ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un qui veut, comme. C'est qui tu dis? C'est Lias? Lios. Lias? Lias, excuse-moi. Lias. Donc, oui, Lias, si tu veux faire quelque chose de spécifique pour tes œuvres à toi, bien évidemment, encore là, comme je le disais tout à l'heure, tout est possible. Ça peut être sur des cartes à collectionner ou un signet en carton. À ce moment-là, ça serait vraiment pas cher. Ça, tu peux regarder. À n'importe quel imprimeur, tu peux même aller voir chez Bureau en gros pour te faire sortir des prix de signets. Puis dans le fond, ça ne coûte pas plus cher que ça, là. Par contre, c'est sûr que là, si tu choisis un matériau qui est plus difficile à manipuler à l'impression et tout, ben évidemment, le prix va varier en conséquence. Fait que c'est difficile pour moi de te répondre, là. Mais dans le fond, le plus simple, c'est de nous contacter, puis on va regarder avec toi. Est-ce que les auteurs s'associent avec toi ou les auteurs doivent débourser? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est de l'exclusivité? C'est en fait, pour être bien bien franc avec vous, là, on n'a pas encore développé de modèle avec des auteurs indépendants parce que nos marques livres, on les a juste faites avec ADA et Les Malins. Fait qu'on n'a pas d'auteur en auto-édition. On n'est pas fermé du tout à ça. Même au contraire, on serait très heureux. Par contre, c'est certain qu'il va y avoir un coût pour l'auteur à absorber. Parce que nous, dans le fond, on va vous les produire au plus faible coût possible pour vous. Puis après ça, ben vous pourrez les revendre. Si vous voulez qu'on les revende pour vous aussi, ça, il y a d'autres arrangements qui peuvent être faits, évidemment. Mais à la base, c'est sûr que vous devez prévoir un coût, là. Il y a pas de, malheureusement, il n'y a rien de magique. OK, donc dans le fond, vous autres, vous êtes les producteurs, mais Ouais. vous utilisez une sous-filiale qui est la compagnie locale québécoise pour imprimer. Parce que c'est C'est sûr que ça. c'est pas vous autres qui imprimez directement. Non. Donc, exemple, vous pouvez aller chez Bureau en gros, faire la commande, puis ensuite, vous occupez de la suite des choses, la production, la publipostage, etc. Exactement. Nous autres, on fonctionne un petit peu comme on fonctionne un petit peu comme l'éditeur, si vous voulez, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec la chaîne du livre, là. On joue pas mal le rôle de l'éditeur parce que dans le fond, c'est nous autres qui va éditer le livre numérique, qui va s'assurer que tout est conforme pour la publication, qui va s'assurer de produire
Ben, l'éditeur, lui, dans le fond, c'est lui qui imprime le livre. Mais nous, dans le fond, on imprime le marque-livre. C'est sûr que, comme tu dis, on n'est pas encore. Peut-être qu'un jour, on le sera, là, mais pour l'instant, on n'a pas les machines pour tout imprimer. Donc, on fait affaire effectivement avec des sous-traitants pour imprimer tout ça. Mais oui, on agit un petit peu comme un éditeur, dans le fond. Où êtes-vous situé? Ben là, on est à. Ben, moi, Dans un coin de personnellement. Lego que je viens de voir, je viens de faire une recherche sur Internet parce que le monde veut, les auteurs me demandent pour mettre la page de Scénarex. Puis en le mettant, j'ai vu que vous êtes dans un coin de Lego, fait que je vais être quoi? On est, ben, en fait, je sais pas si vous connaissez le WeWork. WeWork, c'est un des espaces de coworking. Est-ce que je cherche le mot en français? Des espaces de co-travail. En tout cas, c'est tu peux louer des bureaux dans le fond chez WeWork. Puis il y a plusieurs compagnies qui sont là. Fait que notre bureau à Montréal, chez le WeWork sur le boulevard des Canadiens de Montréal, c'est en face du Centre Bell, est Bellevue. au-dessus, effectivement, d'un Provigo. Mais on n'est pas dans le Provigo. On est des étages au-dessus du Provigo. Mais c'est vrai que quand tu regardes sur une carte, ça a l'air. On dirait qu'on est dans un Provigo. Ben, c'est vraiment Mais. écrit dans le Provigo, fait que j'étais comme quoi? Non, c'est. On est Jackie, cool. au cinquième étage. Maryse a une question. Maryse, on va répéter encore que c'est un livre numérique, mais puis il va réexpliquer. Donc, si elle veut un livre, on signait un de ses livres préférés pour le garder plus longtemps. Est-ce que c'est possible? C'est possible si on les produit. Donc, si ton livre est produit avec un signet, parce que c'est important aussi de comprendre, je ne sais pas si je l'avais bien expliqué tout à l'heure, le signet que l'image que vous voyez là, c'est un livre, et c'est ce livre-là que vous allez avoir quand vous achetez ce signet-là. Fait que j'achète le signet Hansel et Gretel, je vais avoir accès au livre Hansel et Gretel. Je n'aurai pas accès aux autres livres. Si j'achète le signet des trois petits cochons, ben j'aurai accès au livre en numérique, les trois petits cochons, etc., etc., etc. Super. Donc, c'est sûr que tant qu'on produira pas tous les livres, vous ne pourrez pas avoir n'importe quel livre en format signet. Il va falloir attendre qu'on les produise. Parfait. Donc, personnalisé, il faut avoir l'autorisation, exemple, mais ça coûte une fortune aussi. C'est la même chose quand j'ai travaillé en imprimerie, on disait tout le temps aux gens, plus que vous allez imprimer, moins que c'est cher, mais ça va aussi avec le nombre de couleurs. Est-ce que c'est un C'est quatre ça. couleurs? Est-ce que c'est un couleur, deux couleurs? Le Exact. coût, il varie selon après ça le type de matériel. Quel type de plastique que tu veux? Un polymère? Est-ce que tu veux quel type d'épaisseur? Le métal, nous autres, on était plus avec le titane. L'or, par exemple, il m'intrigue total que je risque d'être folle pour m'en acheter juste un, esprit. Faudrait pas que mon chum m'entende. Ah, shit, il est sur mon groupe. Il y a quelqu'un qui posait une question, un regroupement d'auteurs indépendants pourrait diminuer les coûts. J'imagine la réponse est oui, absolument. Si vous êtes un regroupement d'auteurs qui voulez vous mettre ensemble, évidemment, ça diminue les coûts. Oui, en effet. Il y a aussi cette question de Pascal Guérin, qui est aussi un auteur de l'énigme. Donc, prennent-ils un pourcentage sur les ventes comme ceux en France? Est-ce que vous prenez un pourcentage sur Oui, les ventes? c'est Donc, il y a. encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là. On respecte exactement la lettre, le modèle le modèle dans le fond de la chaîne du livre au Québec. Donc, vous pouvez chercher sur Internet, là, mais dans le fond, la façon ça fonctionne en gros, là, ça peut varier un petit peu, mais en gros. Le distributeur 20%, le libraire 40%, l'éditeur a 30% et l'auteur a 10%. C'est comme ça fonctionne dans l'industrie du livre. Évidemment, ben là, ça c'est que si vous passez par la chaîne au complet. Parce que si vous vendez vous-même vos choses, ben vous n'avez pas à payer le 40% à un libraire, vous ne devez pas payer le 20% au distributeur.
Puis si vous êtes votre propre éditeur, ben vous n'avez pas besoin de payer le 30% d'éditeur, ben vous avez le 100% pour vous. Mais disons que dans une chaîne de livres standard, là, c'est comme je vous l'ai expliqué, là. Super. Pour l'instant, c'est juste des auteurs québécois que vous avez, mais oui. Avec le temps, vous allez aller chercher plus d'Européens et les Américains. Oui. Dans le fond, vous ben voulez oui. devenir international. Oui, exactement. L'objectif, c'est pas de rester dans notre cours. C'est sûr qu'on favorise nos auteurs québécois parce que, évidemment, on est une compagnie québécoise, puis pour nous, c'est important, le Québec, la langue française, tout ça est important pour nous. Mais évidemment, on est tout à fait ouvert à l'internationalisation. Donc, oui, l'objectif, c'est de croître et de produire des marques livres pour des maisons d'édition ou des auteurs qui sont à l'extérieur du Québec et du Canada. Ça serait bien que vous ayez des mangas à un moment donné. Beaucoup, beaucoup Oui, de oui. monde sont accros aux mangas. Donc, j'essaie même encore de chercher un auteur manga qui pourrait parler français ou anglais. À la limite que je fasse un live en anglais, mais je ne ferai pas de live en japonais, s'il vous plaît. Bon, je vais être rushante. Ouais, là, ça va être difficile. En effet. Donc, toi, si tu étais lié à la compagnie, où tu es le fondateur? Je suis le fondateur et aussi le chef de la direction. Donc, je suis les deux. Désolée. Autre question. En signant un contrat, est-ce qu'il sera vendu dans toutes les librairies? Ben, pour le moment, ce n'est pas vendu dans aucune librairie. Tout à l'heure, je vous parlais d'un projet. Ouais. Ça a peut-être rapport avec ça, mais je ne peux pas en dire plus. Mais donc, c'est ça. Mais pour le moment, non, ils ne sont pas distribués encore en librairie. Ça vient de sortir, là. Est-ce que vous avez des porte-paroles pour vous aider à, justement, faire connaître cette expérience quand même assez géniale? Moi, comme je dis, j'ai lu Epic, que j'ai eu vraiment du fun avec. Puis j'ai aussi les rares. Comme vous voyez, j'ai vraiment la collection que je n'ai pas ouverte. Fait que là, ils sont bien serrés dans leur étui. Fait que vous ne pouvez pas voir le code. Je les ai protégés à 100% parce que même le carton, il est tellement beau que j'y fais attention parce que c'est justement dans lequel que le signet il est caché. Puis c'est le Epic, c'est lui qui a la signature. Donc, c'est sûr qu'on fait attention. Qu'est-ce qui est génial, c'est qu'au Salon du livre, les gars pouvaient, les auteurs pouvaient signer. Mais moi, j'ai refusé qu'ils signent avec leur crayon. J'ai dit, non, ton crayon, tu vas signer sur le carton, mais tu signeras pas sur mon signet en métal. T'es-tu malade? Tu vas scraper mon métal? Tu vas scraper quelque chose? Non. Surtout qu'il était comme, bon, on sait pas si ça fonctionne bien. Là, je suis comme, oh my God, je suis là, je suis en plus un cobaye. No way! Tu scrapes pas en partant mes affaires. Ouais, disons que pour la signature sur le métal, on n'était pas bien équipé, je dois l'avouer. On a pédalé un petit peu les premières journées pour se trouver une façon de le faire. Là, finalement, j'avais amené un crayon Pego là, qui est comme un pinceau. Fait que, mais disons que les prochains salons du livre, je vais être mieux équipé pour les auteurs. Je vais apporter un crayon qui écrit vraiment très bien sur le métal. Pour pouvoir justement dédicacer là, aussi les marques livres. Mais comme tu dis, ça peut être fait directement aussi sur le carton. Là. Il y a en masse de place à l'intérieur. Puis il y a des super beaux crayons feutres, genre métallisés, là, oui. Argent, là, qui sortent super bien sur le carton noir comme ça. Ouais, mais mon, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Nerveux. Ouais, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là, pour la conception de, même comme tu dis, le dépliant. Là. Le petit dépliant, il est génial. Là. T'sais, à l'intérieur, vous avez une description du livre. Fait que c'est j'ai sûr la que... signature de justement de Peter Pan sur. Puis j'y ai dit de le faire avec un crayon normal. Parce que s'il le faisait avec un autre crayon, je l'ai trippé. Ouais, c'est on ça, le moi voit aussi. Bien. Moi, je le vois bien, sa signature. Oui, moi aussi, j'ai fait signer trois rares, effectivement. Peter Pan, Cendrillon, puis Hansel et Gretel. Moi aussi, j'ai ces trois rares-là de signer. Bien fier de cela. En plus, j'en ai aussi de la maison d'édition Les Marins.
Mais D'ailleurs, ça, est-ce que c'était tu plus court. lis? Et qu'est-ce que Comment? tu lis? Est-ce que tu lis, puis qu'est-ce que tu aimes lire? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu en entrée de jeu, j'ai mentionné que j'étais un maniaque de comics. Je lis beaucoup de comics. Je participe à tous les Kickstarters de comics qui existent, je pense. Je suis un gros, gros fan de comics. Mais je lis pas juste du comic. Évidemment, une des raisons pour lesquelles j'avais contacté les éditions ADA puis Les Malins, c'est parce que moi, j'aime bien lire les livres de tout ce que ADA fait. Puis oui, les comptes interdits, mais j'adore aussi. Ils ont des séries aussi un peu. Si vous avez mon âge, puis je vous dis les livres dont vous êtes le héros, là, ça va vous sonner quelque chose. Mais il y a des Oui. collections chez ADA qui sont un peu dans le même principe où c'est toi qui détermine le fil de l'histoire. Et ça, j'adore ce style Donc, vous de êtes la livre-là. victime. Ouais, donc vous êtes la victime. Fait Donc, vous êtes que. l'enquêteur. Exactement, exactement. Donc, moi, je lis beaucoup ADA. Fait que c'est pour ça, entre autres, je les avais contactés. Mais mes enfants adorent les livres de tout ce que les malins font. Mes enfants, ils adorent, adorent, ils adorent tout ce qu'ils font. C'était aussi pour ça que je les avais contactés, parce que je me disais, oh, mes enfants, eux autres, ils trippent sur ces livres-là. Même si moi, bon, ça m'attire pas vraiment les livres pour ados, évidemment, mais sachant que tu sais, les collections étaient très appréciées au Québec, là, on se disait ça serait une belle aussi opportunité pour essayer nos marques livres avec eux. Est-ce que tu as essayé de contacter d'autres maisons d'édition ou tu t'es mis juste ces deux-là pour l'instant? Oui, non, au début, on voulait vraiment faire ça très ciblé. On se disait, parce que si on était arrivé avec 1 million de marques livres, disons, puis ça nous avait coûté super cher à tout faire, puis que là, après ça marche pas, puis on est pris avec ça. Disons que ça n'aurait pas été. C'était pas une bonne approche là, pour démarrer un produit. Quand tu démarres un produit, tu te fais justement des petits échantillons. Puis tu vois comment ton public réagit, puis tout ça, ton marché se bâtit. C'est pour ça qu'on est allé vraiment très, très, très ciblé. Mais c'était pas contre aucune maison d'édition ou c'était rien contre personne. C'est juste un concours de circonstances qui en est arrivé comme ça. Faut dire par contre qu'on était quand même confiant que autant les livres de chez ADA puis les Malins étaient des livres, des bons livres, là. Donc, tu sais, c'est des livres qui sont des best-sellers, là. Fait que, en quelque part, on savait que c'était quand même, la popularité était là. C'était quand même plus sécure pour nous de commencer avec ce type d'ouvrage-là. D'ici les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu as comme objectif? C'est quoi le plan de marche d'ici les 5 prochaines années? Bien, évidemment, bien, c'est ça va être de continuer de croître, puis d'amener le plus de maisons d'édition possible, et évidemment de passer des ententes de distribution avec les différents libraires, les différentes chaînes. D'ici 5 ans, l'objectif, c'est d'être présent un peu partout justement dans les chaînes de distribution traditionnelles là, de livres. Puis c'est le fun pour eux autres, hein, parce que les chaînes de livres, habituellement, ben, il y en a quelques-unes, là, tu sais, si on pense à Renaud-Brie, Archambault, ils ont des sites pour vendre des livres numériques, mais quand tu penses à des plus petits libraires, eux autres, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de vendre du numérique. Fait que là, en utilisant des marques livres, ben là, à ce moment-là, ça permet de vendre du numérique en magasin. Donc, c'est quand même un concept qui est nouveau parce qu'il n'y a personne qui vend du livre numérique en magasin. C'est soit qu'ils en vendent en ligne ou ils n'en vendent pas pantoute. Tandis que là, ah, tu amènes la possibilité d'attirer une autre clientèle qui veut avoir du livre numérique, mais en même temps qui est intéressée quand même à avoir un objet physique qui est attaché au livre numérique. Donc, c'est peut-être un nouveau marché, dans le fond, qu'on est en train de développer.
plusieurs questions qui viennent d'arriver. Je vais commencer par Pascal. S'ils ne sont pas dans les librairies, où seront-ils vendus, mis à part l'auteur? Donc, tu avais dit qu'il y avait un forfait que vous pouviez distribuer, vous, dans les salons, etc. Mais est-ce Oui. qu'il y a possibilité de... Est-ce que c'est juste viser les maisons d'édition ou vous essayez de viser aussi les indépendants? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'auteurs indépendants qui sont en train de me poser la question, puis là, ils entendent juste la maison d'édition. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'auto-édition s'en vient à l'avenir, notre avenir, Oui. justement, parce qu'il y a beaucoup d'auto-édition maintenant, plus en Oui, plus tout à même. fait. Mais dans le fond, là, vous pouvez les vendre. Un peu comme, c'est sûr qu'il y a, il y a des, si on va dans le livre papier, il y a des compagnies qui font du print on demand, là, je m'excuse du terme anglais, Impression encore là, sur demande. impression sur demande. C'est sûr que là, si vous, si on n'est pas rendu là, on n'est pas là pantoute, là. Si vous voulez de l'impression sur demande, ça, ça sera pas le cas encore. Je pense pas que ça va être le cas dans les 5 prochaines années, là. C'est vraiment un gros, une grosse marche à monter pour nous. Par contre, les signets, là, vous pouvez les vendre de la même façon que vous vendez vos livres papier, là, de la façon traditionnelle. Nous, on a un site aussi, vous pouvez les mettre sur on peut les mettre, on peut les afficher sur notre site, puis on s'occupe du shipping, de tout ça. Vous pouvez les vendre sur Amazon. On a d'ailleurs, on a nous-mêmes ouvert un compte sur Amazon, puis on est en train de regarder, là, justement, dans le futur pour les vendre à travers Amazon aussi. Mais bon, il y a beaucoup de. C'est pas mal plus compliqué sur Amazon. Mais bon, oui, on est en train de regarder différentes façons de les vendre. Mais vous pouvez les vendre aussi de la façon que vous voulez, là, comme un livre papier. Oh, autre que l'impression sur demande. Parfait. L'impression, la demande, de toute façon, c'est faramineux. C'est Ouais. très complexe, puis c'est très coûteux. Mais de toute façon, je ne pense pas que les auteurs non plus veulent imprimer à la demande. Le seul temps qui imprime à la demande, c'est Amazon, quand c'est des gros recueils comme le recueil Maudit, que c'était vraiment à la demande, que c'était imprimé. Puis c'était genre un clic, j'imprime, un clic, j'imprime, mais ils attendent à peu près une certaine batch, là. Sinon, ça coûte encore plus cher d'impression. L'autre question, c'est est-ce que les livres numériques pourraient être audio, ceux qui sont linkés avec les signets? Serait-ce possible Oui. aussi de choisir la langue de la lecture? Oui, ça c'est possible. Livre audio, absolument. D'ailleurs, on en discutait. On veut justement amener des livres audio pour les attacher justement avec un signet, un marque-livre. Puis évidemment, ça peut être d'autres types d'ouvrages aussi. Ça pourrait être des œuvres d'art, on avait parlé aussi. Ça pourrait être des podcasts, ça pourrait être en fait un magazine, en fait, ça peut être n'importe quoi de digital, en fait. J'ai pensé à quelque chose en même temps parce que je suis quelqu'un qui a eu la chance d'apprendre le braille. Et ceux qui sont aveugles, ils peuvent aller naviguer avec l'ordinateur en braille parce qu'ils ont accès au braille. Mais vos signets, ils n'ont pas accès en ce moment au code braille. Puis s'il y avait le braille, ils pourraient écouter le livre, étant donné que c'est plus. Moi, je trouve honnêtement que le livre, le faire transférer en braille est beaucoup plus cher que l'écouter en audio. OK. Ben, c'est certain. C'est certain que ça viendrait rejoindre la clientèle là, qui a besoin d'assistance. Oui, absolument. C'est sûr, je vois pas trop encore pour les sourds. Il y aurait peut-être le. Oh, tu sais, ils peuvent le lire, les sourds, ils peuvent le lire. S'ils ont tout, En braille, malheureusement, ouais. là, je sais plus comment, mais juste penser à rejoindre tous ceux, parce que j'ai beaucoup de monde que je connais qui sont en train de commencer à avoir cette peur-là de devenir aveugle du jour au lendemain. Mais la technologie est tellement forte maintenant, surtout, regardez, l'argent, là, il y a le braille sur l'argent. Moi, je suis capable. Moi, je regarde pas l'argent. En tant que tel, là, je joue avec le braille. Je sais que je suis pas aveugle. C'est juste que j'ai appris le braille quand j'étais jeune, très enfant. J'ai appris le braille et c'est quelque chose qui m'a fasciné de plus en plus. Puis quand que j'ai été avec une dame un moment donné, ben on a fait transférer un de ses livres en braille et le coût était tellement faramineux que j'ai dit ben pourquoi tu le prends pas audio le même livre? L'odeur du papier est différente, c'est sûr, mais calvaire que c'est fortune.
Oui, absolument. C'est des choses qui peuvent être regardées. Encore une fois, on a encore des étapes à franchir avant d'arriver là. Mais oui, tout à fait. Quelles sont vos prochaines sorties pour vous faire connaître? Quelles sont les prochaines activités qui s'en viennent en 2023? Est-ce que vous avez des lives sur d'autres groupes pour qu'on puisse encore plus partager cette expérience, les livres, les signets? Avez-vous des, comme que je dis, est-ce que vous avez des porte-parole, des gens qui peuvent, qui parlent pour vous, qui vous aident là-dessus? Ben, oui, c'est ça, tout à l'heure, c'est vrai, tu avais posé la question, puis on n'avait pas répondu. Alors, pour l'instant, on n'a pas de porte-parole officielle autre que moi, et c'est pour ça que je mets mon chapeau, parce que partout où je vais passer pour faire la promotion, je vais toujours avoir ce chapeau-là, donc vous pourrez me remarquer grâce à cela. C'est sûr qu'on va compter sur les communautés comme le Buffet littéraire. On va avoir d'autres lives. On a déjà un live de prévu la semaine prochaine. Qui est organisé d'ailleurs par Sylvain Johnson, l'auteur justement de Cendrillon. Ah, sur le groupe Noir Horreur Policier ou sur la page Exact. ADA direct? Non, sur le groupe Noir Horreur Policier, lundi le 16, donc on va faire un live aussi. Génial. Puis on va continuer à faire des lives comme ça. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on va être à tous les salons du livre au Québec. Ça commence d'ailleurs au mois de février. Je pense que c'est le 10, 11, 12, 13. Il y a le salon du livre jeunesse à Longueuil. Donc, on y sera. Évidemment, vu que c'est le salon du livre jeunesse, on ne fera pas la promotion probablement des marques livres ADA. Je pense pas Non, hein, qu'ADA. c'est 18 ans et Mais, plus, on l'a dit. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais on va être là pour les marques livres de la maison d'édition Les Malins. Donc, on va être là pour cela. Puis après ça, je pense la prochaine qui vient après Longueuil, c'est celle de Québec, si je ne m'abuse. On va être à Québec. Puis là, ben à Québec, là, il va y avoir tous les auteurs là, qui étaient à Montréal, là, je pense, reviennent aussi à Québec. Ça serait une belle occasion pour vous, si vous voulez. Puis à Québec, on va avoir. À Longueuil, on n'aura pas d'autres marques livres, mais à Québec, on devrait avoir des nouveaux livres en marques livres qui vont être disponibles. Super. Super. Tant qu'à dire que tu vas être sur le groupe Noir Horreur Policier avec notre cher ami Sylvain Johnson, est-ce que tu prévois ou est-ce que Audrey Chevalier t'a pensé parler avec elle pour savoir si tu peux faire un salon clandestin ou participer à la caravane littéraire avec Guillaume Morissette? C'est des choses, des opportunités qui pourraient vous aider à vous faire connaître plus. Parler à Ben oui. Guillaume Morissette pour la caravane Ben oui. littéraire. Ben oui. Puis le salon clandestin de Audrey Chevalier avec le groupe Noir Horreur Policier. Oui, absolument. C'est toutes des choses. Puis merci de vos suggestions, là, c'est super apprécié. Ben oui, c'est toutes des choses qu'on veut faire. On veut se faire voir le plus possible un peu partout. Oui, absolument. Si vous avez d'autres suggestions comme ça, là, n'hésitez pas à nous les envoyer. Parce qu'on ne connaît pas nécessairement tout le temps tout ce qui se fait, là. C'est vraiment, c'est Sylvain, d'ailleurs, c'est Sylvain Johnson qui m'a introduit à toi, Nancy, parce que tu étais venu justement au Salon du Livre. Puis là, Sylvain, il m'a dit, hey, il faut que tu parles à Nancy. c'est comme ça Disons que cette que. fin de semaine-là, il ne m'avait pas lâché non Ouais, plus. c'est À ça, toutes les fois, effectivement. j'allais faire un achat, il était comme, oh non, prends pas celui-là, il n'est pas bon, prends celui-là. J'étais comme, Kim, je ne vais pas t'acheter 5 fois le tien. J'aurais été prise avec 5 livres. Ouais, puis ben, tu sais, il y a aussi Yvan Godbout là, qui avait fait des posts sur sa Oui. page. LP Sicard aussi m'avait donné beaucoup de. Ben, tu sais, il m'a guidé aussi. En fait, tous les auteurs qui étaient là, ils m'ont tous aidé, là, sont super généreux. Puis même, il y a d'autres auteurs des contes interdits qu'on n'a pas encore à marque livre, mais ils ont trouvé l'idée géniale. Puis, en tout cas, Ils ils sont nous aidaient. jaloux. Fait que, ouais, oui, c'est ça, ils sont jaloux. Mais tout ça pour dire là, que tous les auteurs des contes interdits nous ont vraiment beaucoup aidés, de même que la maison d'édition ADA, toute l'équipe, la maison d'édition Les Malins aussi, et toute leur. Fait que, dans le fond, c'est pour l'instant, nos représentants, c'est un peu les auteurs.
Espérons qu'un jour, on va être assez populaire pour dire qu'on va être capable d'engager Céline Dion, je ne sais pas Non, qui. s'il te plaît. Non, 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 pas Céline Pas Dion. Yvan Godbout à la limite ou Sylvain Ouais, Johnson, là. Mais non, pas Céline oui, Dion. tout à fait, tout à fait. On Non, veut non, pas de la c'est. musique, là. On veut des livres, s'il vous plaît, là. Des Mais là, elle cinéastes, on veut chantera de la plus, là. Il va musique. falloir qu'elle se recycle en quelque chose d'autre. Non. Il y a des limites. Je l'aime, Oui. Céline Dion, là. Je l'aime bien, là. Mais c'est juste qu'elle est partout, puis elle est trop partout, là. Elle est rendue à la Oui, mode, tout à tout fait. ça. Non. Oui. Prends ton chapeau, mais va pas essayer un million de chapeaux. C'est ça. Bon, j'ai d'autres personnes qui disent non, pas elle, s'il vous plaît. Je pense que tu viens de perdre déjà ton monde en 30 secondes si tu continues avec elle. Il est temps qu'on arrête, là, je m'en viens fatigué, je vais sortir d'autres niaiseries. question. Pour les comptes interdits, c'est quoi qui rend le signet vraiment un plus que le livre numérique de plus? Bien, l'IA, c'est simple. Un, les comptes interdits, c'est... On pourrait dire c'est la Bible de l'horreur parce que tous les contes interdits, c'est des contes quand on était jeune qui ont été racontés autrement. Côté numérique, la différence, c'est justement quand tu achètes un livre numérique normal, en dehors de Scénarex, tu n'as pas toute l'animation comme quand comme tu l'as en ce moment. Moi, je l'ai, puis tu as vraiment des gouttes de sang, tu as vraiment la signature, tu as des images dans certains... comme Le Hansel et Gretel, c'est comme le vrai livre physique, mais en plus, tu as des gouttes de sang. Tout le long de ton livre, tu as des gouttes de sang. C'est vraiment horreur, c'est vraiment chill. Puis, en même temps, ben, tu as un souvenir signé plastique pour les rares, puis un souvenir métal pour les épiques. Que là, lui, il reste dans son plastique, là, il est protégé. Fait que c'est vraiment ça qui est génial de la différence. Mais si tu parles de les autres livres, c'est selon qu'est-ce que l'auteur crée ou la maison d'édition crée avec son livre numérique. Donc, C'est si ça. toi, dans ton livre numérique de la dra première Dragonnière, le tome 1, Vision du passé, tu veux faire ressortir Tamira avec un méchant bon, tu vas pouvoir le faire. Si tu veux faire des vidéos, tu peux le faire, mais c'est ta création. Et C'est ça. ensuite, lui, il va faire le signer avec ta page couverture, puis là, tu t'organises parce que ça va être un forfait que tu t'achètes. C'est ça. Puis c'est exactement ça. Vous pouvez ajouter des trames sonores pour ajouter une musique de fond quand la personne lit le livre numérique. Il y a aucun. Encore comme je le disais tout à l'heure, là, les EPUB, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est juste évidemment, mais il faut trouver une personne qui est capable de le faire parce que c'est l'informatique, c'est de la programmation un petit peu. Il y a des logiciels qui vous aident à les bâtir, là. Mais quand tu veux rajouter des choses plus complexes, ben là, c'est sûr que ça te prend un petit peu de programmation, donc ça prend de l'aide de quelqu'un. Ben, c'est Puis c'est comme pas genre parce que c'est Éric pas c'est Kennel. ouais. Il va faire, lui, il fait beaucoup de e-pub, puis même des livres. Puis lui, Bon. il a eu une idée de se mettre un code QR dans ses livres, dans lequel que lorsqu'on scanne le code QR, ben, c'est l'auteur qui nous parle. Où Ah bon, ben il nous chouette. montre une partie de sa vie, genre son garçon Jérémy qui est en train de jouer avec son papa, ou plein d'idées de même. Donc, c'est vraiment génial. Mais oui, toi, ça va te prendre un ordinateur qui a plus de sens, l'IA, si tu veux faire ça. C'est sûr. Donc, sur ce, sans plus attendre, nous allons faire un tirage de un signet, puis l'autre tirage, ce sera parmi tous les commentaires. Tout simplement, vous avez une semaine, autant les Européens que les Canadiens. Européens, on vous le répète, c'est le shipping qui est à vos frais, mais ça vaut la peine. Si vous ne savez pas la valeur, moi, je peux vous le dire parce qu'il est sur le site Internet, puis il est écrit en arrière de toutes mes signets. C'est, si je ne m'abuse, c'est environ 35 $ que ça vaut juste le signet et le livre inclus. Donc, ça, c'est sans compter le shipping que nous autres, on devrait payer, mais vous autres, vous devez payer environ 10 euros. Pour Donc, les ça vaut ouais. la peine Alors. de participer, même s'il y en a qui ne participent pas à cause que c'est le shipping. Je comprends tout à fait. Ça me désole. À un moment donné, on va trouver une solution, mais pour l'instant, c'est une option géniale. Ça vous permet de connaître les comptes interdits. Un jour, les comptes interdits anglais, je suis sûre qu'ils vont être eux autres aussi en signé. Parce que je m'y attends. Oui, absolument.
Donc, sur ce, sans plus attendre, je vais partager mon écran pour vous montrer en même temps. Je vais juste aller faire de quoi 2 secondes. Je vais vous le montrer, mais il faut que je me mette de quoi. Je vais vous montrer le site vite, vite en même temps. OK, je suis déjà logué. Super. Donc, je vais faire un partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir l'expérience que le voir via l'iPad. Pas trop fatigué? Je commence à être fatigué. En plus, je me suis dit, je vais me mettre debout, là, c'est plus dynamique. Là, Ah non, mais on va passer. assis-toi, bordel! Mais là, je peux pas parce que j'ai tout monté mon setup pour être debout. Oh my Je peux pas God! m'asseoir, sinon vous allez voir ça. Allô, tout le monde! Donc, je vous montre. J'ai-tu partagé l'écran? Oui, on voit bien. Parfait. Alors, dans l'écran, comme vous voyez, vous avez le livre Épique qui dit comme quoi j'ai le numéro 3 sur 10. Celui-là, c'est lui en métal. Vous voyez la page couverture qu'on parlait. Et ici, c'est le rare. Donc, la couverture du rare est différente. Puis, ça dit comme quoi j'ai le 45 sur 100. Donc, ensuite, c'était ça qui parlait de l'info. Mais on ne gossera pas avec l'info, on va sortir de là. Puis, je vais vous montrer le livre. Donc là, j'ai compris que c'est fallait jouer avec les flèches. Oui, tu peux utiliser les flèches du clavier aussi, Ah, sirop. Encore plus cool. c'est Vous voyez un les clavier. gouttes de sang qui fait complètement différent. C'est vraiment cool. Je peux même essayer d'aller un petit peu plus loin. Il n'y en a pas à toutes les pages, mais moi, Non, je quand trouve même, honnêtement que pour c'est génial. Je ne voudrais pas garder à toutes les pages, sinon ce serait Non, c'est ça. trop, là. Ou c'est comme pas assez, mais c'est ça. C'est juste pour vous donner un approximatif de ce que vous lisez. Vous pouvez aussi agrandir le texte et tout ça. Là, je ne joue pas avec mon ordi en ce moment parce que sinon, je ne verrai rien de ce que je fais. Mais c'était ça. Sur ça, je vais vous montrer. On va faire le tirage maintenant. Je reviens, je repartage mon écran. N'oubliez pas, là, je vous montre là, les signés rares de la maison d'édition Les Malins. Excusez-moi, ADA. Mais vous pourrez aussi choisir Les Malins, évidemment. Ça va être à votre choix. Puis ce que je vais faire, le gagnant, là, je vais communiquer avec vous, je vais vous donner un code, fait que vous allez pouvoir aller sur le site, sur notre site, puis vous allez choisir comme si vous faisiez un achat, mais ça va être gratuit avec livraison gratuite. Lios, non, elle ne peut pas m'emprunter les miens. Bon, Ouais, je ne peux pas prêter. Non, il faudrait que j'ouvre mon Internet chez ma mère. Non. Bon, sur ce, il y a tout le monde qui participe. J'ai mis c'est tous les nice. noms. On est rendu à 24 participants. Donc, c'est un livre numérique avec un souvenir en signet. Sur ce, on part la musique. Faut danser. Oh. Ça arrête. On va savoir c'est qui. C'est trop petit pour mes yeux, par contre. Ah, il va sortir. Philippe Langlais. Bravo, Philippe Philippe. Langlais, félicitations, mon cher. Alors, tu es le premier de nos deux gagnants. On va donner un petit peu plus de temps pour ceux qui vont regarder le live en différé. Mais là, Philippe, tu es notre heureux gagnant. Donc, j'imagine que je devrais être bon pour te retrouver dans les gens qui ont chatté Non, ou lui était dans peut-être. les. Parce qu'il y avait aussi les participants Oui, c'est vrai. privés Oui, c'est vrai, je m'en souviens, tu as raison. inscription. OK. Donc, lui, c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, si c'est pré-inscription, j'imagine qu'on a ses coordonnées. On n'a pas ses coordonnées, mais on va le trouver. C'est OK. un nouveau sur le groupe en plus. Donc, OK. Ben, s'il est sur le groupe, on va être capable de le trouver. oui, parce que là, je crois que j'ai marqué l'anglais, mais je pense qu'il s'appelait l'anglois. Puis là, je commence à me demander moi-même. Non, c'est Philippe Langlais, mais je ne sais pas c'est lequel. Donc, il y a quelqu'un qui va le trouver de toute façon, OK. mais Je vais tu vous as laisser aller à gagné ça. mon signet. Lia, sérieux! Il est tannant, Lias. Donc, oui, c'est ça. Moi non plus, je ne le connais pas, mais je l'ai vu dans les Facebook noms. Fait que je vais aller commenter, puis je vais te taguer en même temps. Donc, ça va faire Parfait. une communication.
Les autres, Excellent. la semaine prochaine, lundi prochain, je vais faire le tirage dans l'après-midi pour le gagnant. Donc, tout le monde qui veut participer, vous marquez « Je participe ». Vous autres aussi, ceux qui étaient déjà là, c'est simple, vous pouvez vous rester dans la chance de gagner. Les autres, vous allez me marquer « Rediffusion, je participe ». Et vous me marquez « France ou Canada, s'il vous plaît ». Parce que moi, il faut que je répète pour une 20e fois, puis je vais reposter encore aujourd'hui, tantôt, je vais reposter, comme quoi que c'est un livre numérique, comme quoi que c'est un signet en souvenir, et comme quoi que c'est le shipping à vos frais. Je suis le seul dans tous les participants à participer, là. Esprit Lyost est mortel. Donc, si vous n'avez pas de problème à lire numérique, ça ne me dérange pas de vous mettre votre nom. Si vous avez un problème, vous me le mentionnez et je ne mettrai pas votre nom, tout simplement. Je ne veux pas avoir de situation avec les livres numériques. Sur ce, passez une excellente soirée. Encore un gros Bye merci tout le monde. Simon d'être venu en live avec nous autres. C'était vraiment agréable. Il n'y a pas d'extrait parce justement, ce n'est pas un auteur de livre, c'est un signet. C'est ça, c'est pas moi qui ai l'auteur des livres. Moi, je favorise les auteurs, mais si j'écrivais, d'après moi, vous n'aimeriez pas ça. Fait que je m'abstiens. Bonne soirée à tous. Merci à tout le Encore un gros monde. merci. Bye bye.